Eh bien, salut tout le monde, ici Azaral, j'espère que vous allez bien. On se trouve sur The Forest. Le jeu tant attendu, le jeu d'horreur, le jeu de suspense et le jeu avec un petit garçon qui me tient le bras. On est en train de se cracher. Et comme vous le savez, moi je suis une flippette du jeu vidéo, les jeux d'horreur. Du coup, pour le fun, je me suis dit, je vais faire une vidéo 100% survie dessus pour la partie découverte. Pour la partie découverte du jeu, je vous invite à aller voir la vidéo de Killer Surprise, qui a fait une vidéo découverte plutôt sympa. Tant qu'à moi, je vais faire de la pure survie, je vais essayer de tenir. Donc je vais pas vous montrer comment faire un feu de camp, etc. Non, ça... Que pouic. On va faire de la survie. On va essayer. Alors soit ça va tenir sur... Attendez, parce que j'ai un petit problème de téléphone. Soit ça va tenir sur un épisode, ce qui est fort probable. Ou soit ça tiendra sur plusieurs épisodes, auquel cas bah, je ferai plusieurs épisodes. Mais à mon avis, vu mon skill, à mon avis, ça tiendra pas sur plusieurs épisodes. Donc c'est parti, on y va, allez, on mange ce qu'il y a dans l'avion, on se sert. Déjà, on fait Alt Shift pour passer le clavier en QWERTY, ce qui permet d'avoir les commandes correctes, pour ceux qui ne le savent pas. On prend tout ce qu'on trouve dans ce putain d'avion, c'est parti, allez, go, go, go. Ouais, allez, on prend tout. On prend tout. Alors, je sais pas trop dans quel coin je me suis crashé. La plage est par là. Et parce que moi, faut savoir que je vais tout le temps vers la plage, parce que la plage, on n'est pas encerclé d'arbres. On n'est pas... on voit à peu près... on voit à peu près où est-ce qu'on va... Donc. Oh, c'est quoi ça? Ok. Ça, je savais pas qu'on pouvait prendre ça. Je vais tout de suite avancer vers la plage. Go. Oh, pas de course. Oh, pas de course. Allez. Et tu es fatigué, Coco. Allez, manteau. Le bateau est par là. Il faut que j'aille vers le bateau. Faut que j'aille vers le bateau. L'ami Killer qui se fait un petit tropico. Alors, sur la plage par contre, ouais, c'est bien beau, mais attention. Car il y a souvent des patrouilles d'indigènes. Hop, viens. Je récupère tout ça. Tête, tout ça. Hop. Ok, on est sur la plage. On est sur la plage. Alors, je vais pas vous le cacher, ça fait deux fois que j'ai recommencé cette vidéo parce que j'ai eu un gros bug. Même si c'est une... Enfin, c'est une alpha, de toute façon, donc c'est normal. Mais j'ai eu un bug absolument énorme. Pour ceux qui ne le savent pas, quand on meurt la première fois, on se fait capturer dans une grotte. Il faut s'échapper de la grotte, naturellement. Sauf que cette grotte était remplie d'eau. Par quelle magie, je ne sais pas, mais elle était remplie d'eau. Du coup, j'étais bloqué au plafond, comme un gros débile, quoi. Je pouvais pas sortir. Donc c'était un peu contraignant. Alors, on se dirige vers le bateau. Allez. Quand tu veux. Ah, il a une tête à la main. Ah oui, mais j'ai la tête à la main. C'est dégueulasse. Bon, on va au bateau. On récupère tout ce qu'il y a dessus. En général, il y a 2-3 trucs dessus. Il y a des flares, tout ça. Donc on va tout prendre. Voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Chocobar. Ah oui, chocobar. Là aussi il y a des trucs, c'est du tissu il me semble. Hop, voilà. Alors la plage est quand même beaucoup fréquentée par les indigènes, donc il faut faire attention quand même. Dans la vidéo précédente, dans la vidéo qui a fini la poubelle, hein, je me suis fait capturer sur la plage. Donc voilà, faut faire attention. Alors, close. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Can be used in crafting, circuit board. Ouais. Je vais boire un coup, je vais faire un cocktail molotov. Hop. Voilà. Je vais même en faire plusieurs. Hein. Parce que c'est plutôt une bonne arme. Voilà. Ah, je ne peux pas plus, ok, je ne peux pas plus.
Remove. Pourquoi il veut pas remove? Il veut pas. D'accord. Et qu'est-ce que je peux faire avec ça? Combine. Bon, va falloir que je... Hop. Non, il veut pas. Merde, il veut pas remove. Pourquoi il veut pas le remove? Oh là là, c'est bugué, voilà. C'est le genre de petit bug un peu chiant qu'on peut avoir, mais voilà. Flair, ok. Donc j'ai des cocktails Molotov chez mon équipé. Bon là, il a la hache et le cocktail, d'accord. On va juste prendre la hache. On sortira les cocktails quand ce sera vraiment indispensable. Le cocktail Molotov, c'est vachement efficace. Ça peut tuer 4 mecs d'un coup. C'est over-cheaté. Allez, c'est parti. On va vers la plage. Alors moi, je suis une grosse... Comme je vous l'ai dit, je suis une grosse flippette du jeu vidéo. Hein. Moi, les jeux un peu d'horreur, tout ça... Pas du tout mon truc. Alors les FPS sont plutôt bas. Il me semblait que j'avais baissé les options, mais peut-être pas. Oh, une baballe. Wouhou! Il me semblait que j'avais baissé les options, mais apparemment non. Oh, tant pis, c'est pas non plus. Oh, une baballe. C'est pas non plus dramatique. Oh! Là, ils sont là. On reste calme. Normalement, ils vont partir. Ils vont pas rester longtemps. Ils se baladent, ils font leur tour et ils s'en vont. Pouvoir retourner sur la plage. Normalement ils sont assez loin pour ne pas me voir. Ok, c'est bon, normalement c'est bon. C'est parti, on va déjà faire le plan de l'abri. On va prendre celui là bien sûr, celui là qui est parfait. On va le faire rotationner. Rotationner et on va le mettre ici. Voilà. Qu'est-ce qu'on va poser d'autre? On va poser plein de trucs. Hein. On va poser plein de trucs. On va poser le feu. Primordial. Indispensable. Le feu de camp. Voilà. On pose d'abord tous les plans et après on récupérera les matériaux nécessaires. De toute façon, ça s'accumule. Donc, il n'y a pas de souci. Fourniture, piège. Peut-être mettre un piège Deadfall. Bon, on va mettre un Deadfall. Par contre, le Deadfall, on va le mettre comme ça. Putain, il y a encore une patrouille qui se ramène. Il y a encore une patrouille qui se ramène. Ils sont 4. C'est pas possible. C'est pas possible. Wesh, breakdance, la valise, là. Ils sont 4, quoi, non? Bon, de toute façon, un jour ou l'autre, je me ferai capturer, je prends le cocktail Molotov et j'y vais. Rien à foutre. J'en ai 3 en plus, c'est parti. Cocktail Molotov. Allez, on y va. En plus, il y a du brouillard et tout, c'est craignos. Allez, venez par là, vous. Bande de fiottes. Bande de fiottes. Il se barre. Il se barre, il se barre, il se barre, il se barre. Ok. J'aurais peut-être fait peur. J'aurais peut-être fait peur, j'en sais rien. J'en sais rien. En tout cas, ils sont partis. Je peux continuer de poser mes plans de piège, donc Deadfall. Que je mette là. Deadfall. Je vais mettre aussi un piège. Lève-la. Lève-la, 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 lève-la. J'ai foiré mon lancer, bien bravo, bien joué Callaghan. J'en ai eu un derrière. J'en ai eu un derrière. Ah, il va dans le feu, il va dans le feu.
Il va dans le feu ce con. Il va dans le feu ce con. J'ai pas récupéré mon arme. Un mort, deux morts, trois morts. Ils sont tous morts? Je les ai eus. Non. Déconne. Quoi? Pourquoi j'ai pris un coup là, non? Alors, on va en profiter pour poser un. Voilà, on va poser ça. Histoire de leur faire un peu flipper là. Voilà. Ça c'est parfait. Voilà. Ça c'est nickel. C'est surtout de la tête qui est utilisée pour ces trucs là. Voilà. Il manque plus que. Ah! Oh le fils de pute! Ah! Il m'a fait flipper ma race! Sors la hache, vite! Y'a par là! Tiens! Mange! Enculé! Tiens! 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 Bouffe-moi ça! Bouffe! Merde, putain, il va me tuer ce con. Je suis mort. Ah, qu'il me refasse pas le même bug que tout à l'heure, sinon c'est fin de vidéo. Normalement, là, je réapparais dans la caverne. Je suis dans la caverne, ok. Je suis dans la caverne. Il n'y a pas le bug, donc pour l'instant, tout va bien. Il y a des cadavres partout, suspendus, dans toute la caverne. Des ossements, des bras, des jambes. C'est absolument dégueulasse. Ok, là il y a des trucs à récupérer. Il y a du flair, des médicaments. Beaucoup de médicaments. Une hache, une vraie hache. Un peu de nourriture. Ok. Y a pas d'autres trucs à récupérer, il me semblait qu'il y avait d'autres trucs. Non, je crois que c'est tout. Donc qu'est-ce que j'ai? Tout de suite s'équiper d'une flare. Histoire de voir beaucoup mieux là où on va. De toute façon, là, ce qu'il faut, c'est... Enfin, faut s'échapper. Le plus vite possible. Faut pas chercher à essayer de se faire ces créatures de malheur. Ok, y a toujours des trucs à récupérer. Du tissu. Ouais. Apparemment, je peux pas en reprendre. C'est quoi ça? Oh yeah. Yeah, 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 yeah. Pistolet. Flare gun. Flare gun. Non. Je vais plutôt garder le flare à la main, ça sert à rien de. Ah, il perd de la force, putain. Moi, je vais utiliser le flare à la main. Voilà. Ah, il lâche le flare gun, putain. Pourquoi il veut pas le prendre? Ah non, c'est soit. Oh là, bon, c'est tout, tant pis. Je préfère à la main. La route. C'est par où déjà? Putain, je trouve pas mon chemin. C'est par là, ok. Allez, couche-toi, couche-toi.
Ok, on va essayer d'aller le plus vite possible parce que... L'important, c'est de s'échapper. Ah si, j'ai le pistolet quand même. On se casse. 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 On regarde pas derrière soi, on se barre. On se barre. On se barre. C'est quoi ce son? Un son bizarre. On prend la grosse hache. Et on se casse. On est dehors, on est dehors, on est dehors. On est dehors. On va essayer de rejoindre la plage. Moi ça, toi. Il y a un plan d'eau là, ouais, mais pour pêcher, faut un objet. Je sais pas trop quoi. Waouh! Y a plein de trucs là! Ça, c'est des survivants qui ont fait un campement. Ok, bah, je découvre des trucs. La plage est par là, je m'en rapproche, c'est cool. En espérant qu'il n'y ait personne. Ok, je suis revenu, c'est cool. J'ai réussi à m'échapper, je suis revenu. J'ai récupéré pas mal d'objets en plus. Donc je vais tout de suite. Il me faut de la brindille pour faire le repoussoir. Allez, go. Allez, coupe! Coupe, coupe! Je surveille quand même hein, parce que hop, voilà, normalement ça fait du bâton. Hop là, c'est bon, ça c'est fait. Histoire de les faire un peu flipper quoi. Donc là, il va me falloir des bûches. Donc on va couper du gros arbre. Eh, c'est pas cette hache que je veux moi. C'est celle-là. Merci. Pourquoi il est en feu ce truc? Il est pas censé être en feu? Non? Si? Je sais pas. Peut-être qu'il est censé être en feu, j'en sais rien du tout. Histoire de faire un peu plus flipper, j'en sais rien. Il me semblait pas que c'était en feu pourtant. C'est tout, c'est pas grave. Donc on coupe du bois. On coupe du bois. Pour l'instant ça se passe bien. J'ai pas encore fait le shelter, il faut que je le fasse. Mais de toute façon si je meurs, sauvegarder ou pas, ça changera rien. Parce que si je meurs, c'est terminé. Allez. Le piège d'abord. Le piège d'abord. Par contre, il y a un truc que je trouve dommage, c'est au niveau des pièges. Au niveau des pièges, le truc c'est qu'on ne peut pas réactionner un piège. Enfin, alors, en tout cas, j'ai pas trouvé comment. Une fois que le piège a été utilisé,
Bah voilà quoi, il est foutu, on peut pas l'enlever, du coup ça bouffe de l'espace, du coup c'est... Voilà. Bah, à mon avis ça sera changé avec avec le temps, mais... Dire les devs ils vont changer ça quoi, mais bon. C'est pas forcément la chose la plus pratique. Ouais non, le shelter, faut que je fasse le shelter aussi. Hein. Important ça, le shelter. Voilà. Des brindilles, 8, 8, 8. Alors les brindilles, je pourrais en choper dans tous les petits arbustes. Et les petits arbres. Voilà. Non, ça fait pas de brindilles ça? Ah si, ça en fait. Il me semblait bien que ça en faisait. Voilà. Tac, du rocher, pourquoi pas. Hop. Du rocher. De l'apprenti, ok. Il se casse. Le piège. Ouais, il manquait plus que de la brindille. Ça, c'est un piège qui est pas très cher et qui marche plus bien. Faire attention car des fois, si le piège est actionné et qu'il y a un ennemi qui s'est fait embrocher et qui est allongé au sol, il peut très bien être encore vivant et se relever genre 5 minutes après. Donc faites très attention avec ce piège, quoi. Celui-là, je peux pas l'avoir. Donc ça s'allume, ça. Non? Ou c'est la foudre qui est tombée dessus, j'en sais rien. C'est étrange. Bon, normalement, ça les éloigne. Ça leur fait peur. Ouais, j'espère. J'espère que ça fonctionne. J'espère que ça marche. Hop, allez. Il nous refout de la brindille. Je surveille parce que ces fourbes, ils grimpent dans les arbres et tout, et vous observent d'en haut. C'est... Allez, coupe. Tu vas y arriver, t'inquiète pas. J'ai vu aussi un bug où il y a des objets qui se multiplient, quoi. Genre, on construit un truc et il y a une hache qui apparaît au pied du machin. Je comprends pas trop des fois. Enfin, ça, c'est un bug, hein, mais bon. Mais bon, voilà quoi. Alors, ok, il me manque. Ouah, il en faut du rocher. Oh! Oh! La belle tortue! Ah, bah, j'ai mon 4 heures, tiens. J'ai cru voir un mec là-bas. J'ai rêvé. J'ai mon 4 heures, tiens. Allez, viens, parle-toi. Non, tu veux pas crever? Non? Ah, voilà. Quoi, je peux pas la... Non, je l'ai tué pour rien. Je peux pas la prendre. Oh. Attends, je me lave un peu. Voilà. Je peux pas la prendre. Ah, moi qu'il faut que je retape dessus, non? Non? Ah ben non, je l'ai tué pour rien. Je suis désolé. Je suis désolé, mais bon. Je ne pouvais pas le savoir. Encore des trucs à récupérer dans les valises, hein. Ça c'est... Surtout pas oublier. Encore une lampe. J'en ai déjà une, donc ça me sert à rien. Il y a souvent beaucoup de tissus et des bouteilles d'alcool. Donc de quoi faire de bons cocktails Molotov, donc... Bien penser à fouiller le les valises. À chaque fois que je relève la tête pour regarder autour de moi, je flippe ma race quoi. Mais là c'est ouais, c'est vachement calme quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est vachement calme. Ah, je peux manger ça? Ok. D'accord. Je suis à l'affût, hein. Je suis à l'affût, je regarde. Je regarde parce que... Voilà, okay.
Ah, il y a des rochers ici. Chouette. Ok, je suis plein. Donc, je dois avoir assez de rochers. Je vais en profiter quand même pour explorer. Ah non, j'ai pas assez de rochers, justement. Y a un joli arbre là-bas, là. J'aurais peut-être dû me mettre là-bas, en fait. Ou alors, je vais peut-être me refaire un deuxième abri là-bas. C'est un peu loin de toute ressource, mais justement, on est en côte. On peut pas se faire attaquer par derrière. On sait d'où viennent les ennemis. Voilà quoi. J'ai plus d'énergie par contre, il faudra que je boive un coup. Le feu c'est fait. Ok pour le feu. Ok pour le feu. Hop. On va reprendre les rochers ici. Parce que là, il y a un shelter. Alors, on va aller explorer là-bas. Là. Déjà, on va boire un coup. Voilà. Manger, on va prendre une petite barre. Voilà. Et ah, je suis blindé de médicaments et tout. Là, niveau équipement, là, je suis nickel. Après, bah, c'est sûr qu'il faut que j'en reste en vie, quoi. C'est sûr qu'il faut que j'en reste en vie. Donc, c'est pas toujours facile, hein. Bon, si l'épisode coupe d'un coup, ça veut dire que ça durera plusieurs épisodes. Si je vous dis pas au revoir, etc., parce que je peux pas trop faire de retour Windows, etc. Donc si ça coupe d'un coup, c'est normal. Ça veut dire que vous aurez la suite très bientôt. Alors, qu'est-ce que c'est que ce grand arbre? Ah, il y a des trucs là. Je peux pas apprendre ça? Alors, on va voir. Waouh! Qu'est-ce que c'est que ça? Ça veut dire que c'est un campement? C'est un truc sacré pour eux, j'en sais rien, je sais pas, c'est quoi? C'est un arbre. Des médicaments. C'est étrange quand même. Il y a plein de buissons bizarres là. Ouais, ça se trouve, c'est un truc sacré pour eux et tout. Je suis en train de tout saccager. Là, il y a une pierre buggée. Ouais. Pas l'air d'y avoir grand-chose ici. Les petites îles aux alentours, là. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose dessus? Non, je pense pas. Non, non. Mais oui, c'est juste du décor. Mais... Non, parce que j'y serais bien allé, quoi. J'y serais bien allé. À l'affût hein. Ou je mettrais peut-être tout d'un coup, j'en sais rien, je sais pas. Alors, ah, y a une épave, là-bas. Déjà, je vais prendre ma grosse hache plutôt. Ah, y a des trucs là-bas. Là. Wow, c'est quoi ça? Des bouteilles, wesh. Sacrée bande d'alcoolos. Ouais. Des sous. Alors, les sous, ça sert pour les crafts aussi, mais je sais pas en quoi. Alors, déjà, combine. Et si je mets des sous, ça fait quoi? D'accord, ça fait rien. Ok. Parce que moi, je me dis, on peut peut-être faire des bombes ou je sais pas quoi. Tiens, ça, plus ça. Non, je peux pas. Non, je peux
pas. Peut-être faire des explosifs, genre avec les pièces, les circuits. Et ça, non? Oh! Explosif! Eh! 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 Ouais, j'ai trouvé un putain de craft. Oh mon dieu. Allez, explosif, voilà. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? On va tout faire péter, qu'est-ce qu'il y a? Explosif, quoi. Encore des sous. Des sous, des sous. Ça, c'est une baleine morte. Une encre. Ok, c'était une encre, en fait. Là, il y a un cadavre. Ah, ah. Ah, 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 ah. Attendez, parce que là j'ai tout dans les mains en même temps, là c'est galère. Voilà, par exemple j'ai multiplié ma hache. Pour vous parler du bug de duplicata. On va longer la côte, on va explorer un peu là. Bah je vais sûrement mourir hein, mais bon. Moi j'ai bien envie d'explorer toute la côte en fait. Et encore un cadavre. Mais c'est bizarre, il y a plein de cadavres sur les côtes, je sais pas ce qu'ils foutent. Je sais pas trop ce qu'ils foutent hein, ces cons là. Mais... Alors. C'est une pierre, d'accord. Ce n'était qu'une pierre. Ouais, bah ouais. On explore les côtes. Un truc là-bas. Ça ressemble à une barque. Ah, il va faire nuit. J'ai pas fait mon shelter et tout, mais c'est tout, c'est pas grave. La vidéo sera un peu plus longue et on finira là de toute façon. À mon avis, je vais me faire exécuter, donc... Alors, une barque. Bon, par contre, l'explosif, il me casse les couilles. Je peux le lancer? Oui. Ok. Bon, c'est un explosif un peu foireux, mais... pourquoi pas. Une barque. Qu'est-ce que c'est que ça? Du tissu. Ok. Par contre, là, il fait noir comme dans le cul d'un zèbre. Ça va commencer à être compliqué. Ça y est, il fait nuit. Ça y est, il fait nuit. Il fait nuit. C'est quoi cette lumière? Ah, c'est un reflet sur l'eau, bah, putain. Un reflet de quoi? Il n'y a rien dans le ciel. Quoi. Bon, on va sortir l'éclairage. Ah, voilà, hop. Ah, je suis quand même bien équipé, là. Eh, quand même. J'ai même une lance de pêche. J'ai même une lance. C'est nickel, quoi. J'ai même trouvé la lance. Ok, bon, je pensais qu'elle se craftait, moi, au début, la lance. Mais en fait, non, pas du tout. C'est une grande carte. Hein. C'est une très grande map. Ouais. Oh, y a encore des trucs là. Non, c'est rien, c'est des pierres. Hop. Lève-la, 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 lève-la. Explosif, 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 explosif. Viens, 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 enfoiré, viens, enfoiré, viens, enfoiré. Viens là, viens là. Boum! Qu'est-ce qu'il y a? Merde, putain. Je crois que j'en ai tué deux. J'en ai tué deux sur quatre. Viens.
Oh, y en a qui sont buggés par contre. Elle vient par l'autre. Oh putain! Elle m'a one shot! Elle m'a one shot! Voilà, elle m'a one shot. J'ai pas compris. Parce que pour moi j'étais full life. Mais elle m'a one shot. En me foutant une claque. Voilà, c'est ça qui a un peu abusé, je trouve, dans ce jeu, c'est la force des ennemis. C'est pas possible, quoi. C'est pas possible comme ça. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'ai essayé de survivre. Bon, j'ai réussi à me faire un bon équipement des explosifs. Je sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé quand je l'ai lancé, mais... Les ennemis ont explosé, mais littéralement. Il y a des brocs qui sont partis dans tous les sens et tout. Donc on peut faire des crafts. Vachement cool. Donc mets un petit like si ça t'a plu, j'en ferai peut-être d'autres au fur et à mesure des mises à jour. Mais pour l'instant, voilà, j'ai basiquement fait le tour. On n'a pas vu tous les ennemis, parce qu'il y a des espèces de gros ennemis tentaculaires et tout, enfin, qu'on peut croiser dans la caverne. Ça, on n'a pas encore vu. Mais je pense que j'en ferai une vidéo aux prochaines mises à jour. Voilà. Donc mets un petit commentaire, dis-moi ce que t'en as pensé. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur d'autres jeux, hein, y a pas de souci. Voilà, c'est Lazarat pour Gaming for Fun, et je vous dis à la prochaine. Ciao !